Hey tout le monde, c'est les belles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier match du DLC Draft League Competition. Et cette fois, on va voir s'affronter l'équipe Scobolil, représentée par Cœur de Cèdre, donc moi, et les Motislandais, représentés par Vayne. Donc, évidemment, on a Counter. Les teams, c'était le Counter présent, c'est un peu le but du jeu de Counter pour les autres. Alors, évidemment, on peut pas counter à la perfection vu qu'on a plus de 6 Pokémon chacun. Donc voilà, il faut improviser. J'ai pas passé trop de temps sur les Pokémon pour le counter parce qu'en fait le match durera assez longtemps. Et d'ailleurs pour le ladder qui fait plus de 10 minutes, j'ai trouvé la solution. Faut juste prendre le temps, normalement ce week-end c'est réglé. Faudra attendre, vous inquiétez pas. Dans quelques temps, les vidéos seront. Bon, pas trop long non plus, mais plus long, donc ça sera bien pour le let's play que je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Je compte faire la BBC, évidemment, ça fait très longtemps que je dis que je vais refaire, mais je crois que j'ai, voilà, il y a le brevet, donc voilà. Mais voilà, donc c'est parti. Donc évidemment, les teams sont counter pour l'adversaire, et c'est, on va commencer tout de suite, j'ai vraiment pas m'attarder, c'est parti. Donc j'ai commencé par envoyer mon Mega Galeking et lui envoyer son Pikachu. Donc j'ai envoyé mon Octalie pour tanker le Bolt Switch. Et il a envoyé son Mega Altaria. Évidemment, j'ai switché sur mon Mega Galeking pour tanker le Hyper Voice. Fait, hein, bien sûr, avec son talent. Enfin, voilà, le truc. J'ai fait Ivy Slam, évidemment, il a switché, il ne va pas le laisser. Donc il a envoyé son Nidoqueen plus rapide que mon... Voilà, il a placé... Les Steve Swap, c'est un peu trop vite pour moi là. Moi j'ai fait tricherie, ça tapait un peu tout le monde. Et leur envoyer son Mega Altaria. J'ai switché bien évidemment sur mon Mega Galeking pour tanker un autre Hyper Voice. Cette fois j'étais en dessous de la moitié de ma vie, donc c'était un petit peu drôle. Voilà, dangereux. J'ai fait un Ivy Slam qui bien sûr n'a rien fait sur le Celestia. J'ai donc envoyé mon Arcanin, donc j'avais pris surtout pour lui, qui tanque le Flame Closer. Alors là, évidemment, il veut pas perdre son Celestia. J'avais Burn, parce que je savais qu'il allait switcher, et j'ai Burn l'Altaria, donc c'était plutôt bien, et j'ai pu faire des dégâts avec Flarbeats. Derrière, il me fait très mal avec Hyper Voice, enfin, je tanque, mais voilà. Donc j'envoie mon Tapu Fini. Et lui il se soigne pendant ce temps-là, voilà. Évidemment il va switcher sur son Nidoqueen. Moi j'avais pas attaqué, j'en ai profité pour enlever les Steel Swap qui étaient. Parce que sinon je ne pouvais pas renvoyer Arcana. Il est mouré. Mais voilà. Donc là j'avais envoyé mon Octanie et je voulais soigner Arcana mais ou mon Galeking, ou je sais plus si c'est à ce moment-là. Et il a envoyé son Togeaxe. Bon, alors évidemment tout le monde joue Togez, même si là, ce coup-là, j'ai un peu de chance, on verra par la suite. J'ai renvoyé, donc j'ai fait le vœu sur mon Galeking pour soigner, qui tente très bien le Bolt Switch, hein, et il envoie évidemment son Celeste, enfin, il envoie son Celestia, le Ivy Slam qui ne fait rien, je vais tanker le Flame Closer, et je passe les pièges de roc à mon tour, qui va être intéressant pour moi. Je monte mon Brian, tank le Flame Closer, et là j'ai tenté de me soigner moi. Là, il place le Lucide. Voilà. Bon, là, il switch sur son Galam. Moi, je fais un protect raté. Je récupère ma vie. Évidemment, je vais pas le laisser. Donc là, je me suis dit, j'ai envoyé mon Tapu Fini. Lui, il m'a fait close combat qui ne fait rien. Et là, je me suis dit, bon, il va switcher. Mais je vais faire un Nature Madness qui dans tous les cas enlèvera la moitié de la vie du Poké, tranquille. Et là c'est bien parce que c'est Celestia, le Poké le plus chiant qui m'emmerdait le plus, je pense. Je pense, ouais. Bon, derrière il fait un Ivy Slam sur mon Empan, donc là ça fait 25 tours et aucun Pokémon mort. Donc c'est un match plutôt serré, ouais, il faut se dire il est serré, vous verrez dans le match. J'ai donc envoyé mon Arcanin qui est mort, c'est un petit sacrifice, voilà. Bien son âme. J'ai perdu donc le premier Pokémon. Rien n'est joué. J'ai envoyé mon Etouraptor qui pouvait faire des dégâts à tout le monde. J'ai fait close combat. Il a fait abri pour récupérer un petit tour de reste. Il a envoyé son Mega Altaria tout ce combat qui fait des dégâts. Etouraptor était vraiment intéressant pour moi.
que je pense faire une team sur lui. Ouais. Donc là, il se soigne. Moi, de mon côté, j'ai switché parce que j'avais perdu un peu trop en défense. En défense, mais de toute façon, je pouvais pas le tuer vraiment. Il a fait une belle, évidemment. Et voilà, donc l'ultimature modèle, ça se répète un petit peu au niveau des switch. Et voilà. Ce poké était vraiment chiant, il pouvait. Et en fait il fallait que je me débarrasse dont un poké chiant, Celestia, Megaltaria, ou Nidoqueen, je ne sais pas. Donc moi j'ai tapé avec voilà. Et c'est là que je perds mon deuxième poké du. Le deuxième poké du match. Donc il avait plutôt l'avantage, j'étais un petit peu dans le pétrin. Voilà. J'ai bloqué le Celestia sur Heavy Slam. Et comme ça, je pouvais envoyer mon Mega Galekin, il ne me faisait rien, voilà. Ça l'handicapait. Comme ça, déjà, parce que ça cassait un petit peu son rôle. Puisque déjà, voilà, il a Heavy Slam, Flamethrower, il a Protect et Vampigraine. Donc c'était plutôt bien de le bloquer. Bon, il a envoyé son Pikachu, mais du coup, j'ai pu le tuer. Évidemment, il était plus rapide, je pouvais pas. J'ai perdu le troisième Pokémon du match. Et lui, il en restait 5. Donc, vous voyez que j'étais vraiment dans le pétrin. J'envoie mon Mentali. Alors là, j'ai tué le deuxième Pokémon. Donc là, c'était bien, je remontais un petit peu. Derrière, il envoie son. Il est plus rapide, il me fait knock-off, il me tue. Donc, vous voyez que là, j'étais plutôt dans la merde. Il me reste que 2 Pokémon. Et lui, 4. Bon. Un Nidoqueen affaibli, d'accord, certes. Mais voilà, donc là, il va garder son machin, il va me faire knock-off, envoyer les restes. Mais bon, derrière, je fais énormément de dégâts sur son. Voilà, il me refait knock-off. Je sais pas si t'es pas bloqué, non. Je sais pas. C'est bon, voilà. Parce que derrière, je suis plus rapide que son Nidoqueen, j'ai pu le tuer. Donc je reprends nettement l'avantage. Donc, donc le match est très serré. Là, j'ai eu vraiment de la chance parce que c'est Togeax. Là, il a mis son Air Slash. Donc, moi, j'ai pu faire un Nature Madness. Il va faire Air Slash. Bon, là, il m'a flinch. Donc, voilà. Un deuxième Air Slash, mais cette fois-ci, il ne m'a pas flinch. J'ai pu réattaquer. Et là, il mis son autre Air Slash. Donc, là, j'ai vraiment accès. Bon, en même temps, Togeax, c'est vraiment un Pokémon de bâtard. J'espère que vous le savez. Avec son talent Sérénité, un Slash qui augmente sa précision, c'est vraiment horrible. Enfin, sa précision de flinch. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-ci. Parce qu'après, il aurait fallu que je. Ouais, j'ai de la chance. Du coup, il lui restait plus que son Mega Altaria. J'ai fait Nature Madness et j'ai raté. Bon, il a pu en profiter pour se soigner. Deuxième Nature Madness que j'ai réussi à placer, c'était plutôt bien. Hyper Voice fait. Et là, donc, ça s'est retrouvé le duel Mega Galekin contre Mega Altaria. Évidemment, donc, lui, il m'a fait Hyper Voice fait qui ne me tuait pas. Et derrière, j'ai pu le tuer avec Heavy Slam. Donc, c'est un combat plutôt serré. À chaque fois, on remontait un peu. Donc, il me tuait de poké, je remontais aussi. Très serré. Donc, c'est les Scoboli qui l'emportent sur les Motislandais. Mega Galekin, c'est vraiment un méga préféré. Alors mes deux méga préférés sont Mega Demolos et Mega Galekin. Je sais pas, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Et franchement, il est bien. Dès qu'il va sortir, je vais faire un team sur lui. Parce que là, j'en ai joué en custom. Donc voilà, un match très, très intéressant, sympa. Donc voilà, dans le prochain adversaire, ça sera Pâtisserie. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour en dire quelle équipe vous soutenez. Je vous avais pas demandé ça, ça m'intéresse de savoir. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye tout le monde, c'était Bubble.